Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, je m'appelle Sophie. Aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu de ma randonnée parce que je suis à Gérardmer, dans les hauteurs. Et là je vais traverser la forêt pour aller au haut du taux. Donc si je vois des animaux, des choses intéressantes, je vais vous montrer ça. J'arrive au meilleur moment de la marche. C'est un sentier qui est un tout petit sentier super mignon, et tout le long en fait, en plus là j'ai le soleil dans le dos, donc c'est cool, et on a vraiment pleine vue sur toute la vallée et c'est super sympa. Là si tu as les petites pierres. On va avancer un petit peu. Alors je sais pas si je l'ai dit, l'endroit où on est c'est le col de Sapois. Donc c'est un chemin qui va jusqu'à Gérardmer. Pardon, j'arrive plus à parler parce que j'ai marché longtemps quand même. Mais voilà, c'est une idée de balade assez sympa à faire. Parce que bon, il y a quelques petites montées à faire. Mais après ça passe tout seul quoi. Et là vraiment le chemin est super sympa, là en plus il fait beau, donc voilà. C'est là qu'on va aller, le haut du Chêne. Ça y est, je suis rentrée dans ma voiture. Donc là, je suis en train de me préparer à manger. Pour ce soir, c'est lentilles corail, du reste de fromage que j'avais et des fruits et légumes. Donc voilà, je vais me préparer tout ça tranquille et je vais manger, ça sera bien mérité. Là j'ai bien mangé. Alors les figues que je vous avais parlé tout à l'heure, c'est ça. J'espère qu'on voit bien la lumière. Et le fromage, ça s'appelle le carré bonbon. Alors normalement il est gros comme ça, mais bon il n'y a plus rien parce que je l'ai mangé. Et l'étiquette, voilà, ça s'il faut aller dans les Vosges au Val d'Ajol. Alors le fromage de 300 grammes je l'ai payé 6 euros, voilà, il est raisonnable. Et je l'aime bien parce que c'est un fromage à pâte molle et c'est un peu entre le master, enfin on dirait mélange de tous les fromages. Il y a de la croûte avec un peu de bleu dessus qui est sympa. Et ce qui est sympa aussi dans ce fromage là, c'est qu'il embaume pas toute la voiture. Parce que franchement, genre à Maroilles, vous ouvrez le frigo, ça... on le sent à toute blinde, alors que celui-là en fait il a du goût
Et on le sent pas à 50 mètres à la ronde, quoi. Voilà, j'en avais pris un morceau et tout, et voilà, quoi, ça s'est bien passé. Donc j'ai pu manger, je me suis préparée pour 2 jours, là, des lentilles. Puis là, je déguste quelques figues. Alors, elles sont super bien. Figuettes sauvages d'Andalousie. Sèche, sans engrais, sans pesticides, insecticides, fertilisation, merde. Alors, ça c'était pas trop cher en fait. Ça achète 500 grammes, c'était 3,60 les 500 grammes. Voilà, là je vais terminer parce que je suis tellement contente d'être arrivée à la voiture, d'avoir fait mon repas, mangé mon repas, je vais me détendre. Et puis on repartira demain pour d'autres aventures.